Ce matin, je me suis connecté à mon PC, je me suis ensuite rendu sur le Darknet, j'ai trouvé un site qui vendait des consommables interdits pour Minecraft, mais aussi Eggy Meggy de Pop Playtime ou alors Glamrock Chica. Évidemment de Five Nights at Freddy's. Donc regardez, le colis est déjà arrivé puisque j'ai passé une commande express. Voilà, le colis a déjà été posté devant la maison. À l'intérieur de ce colis, nous allons découvrir les différents consommables, qui sont évidemment tous des consommables interdits. C'est pour ça que je vais me dépêcher d'enlever le colis, parce que là, s'il y a la police qui passe, possiblement ils peuvent nous le retirer. Allez, let's go, on va l'enlever d'ici. Il faut une pioche hein, pour un shulker box, sinon après c'est cassé définitivement. Ok, c'est bon, je l'ai. Et du coup, on va pouvoir le reposer. Wesh, qu'est-ce qu'il est en train de dire lui? Il y a Léo qui est de retour. Léo, ça faisait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu. Léo est de retour. Comment ça va Léo? Où est-ce qu'il est passé? Ah, il arrive. Comment ça va Léo? Ça va bien? Ça va, et toi? Bah, ça va très très bien, écoute. Donc voilà, aujourd'hui, il y aura Léo. Il y aura Raisin et il y aura peut-être des surprises dans cette vidéo, voilà, des personnes qui vont arriver en plus. Du coup, on pose le colis interdit juste ici. C'est parti pour ouvrir le colis, let's go. Ok, on a plein de transformations et on a trois papiers. Abonne-toi pour une transformation ultra interdite. Quoi? Ok, attends, on va garder ces papiers-là de côté. Et alors, du coup, nous avons Spider-Man, Eggy Meggy. What? On a deux Spider-Man. Quoi? Deux Spider-Man? Kissimissi, Venom et... Glamrock Chica. Ok, alors what? Ok, on a deux speed. Non, what? Wow, trop bizarre. Vous avez bien vu, on en avait deux. Ok, du coup, voilà, parce que j'étais un petit peu perturbé par le fait qu'on avait deux. Nous avons du coup Spider-Man extrêmement stylé. Ça veut dire qu'aujourd'hui on va se transformer en Spider-Man. Très très hâte de voir les différents pouvoirs que j'aurai en Spider-Man. Ensuite, nous aurons le fameux Venom. Puis Kissimissi. Et enfin Eggy Meggy. C'est plutôt stylé. Et on avait Glamrock Chica aussi. Glamrock Chica, j'ai failli l'oublier. Voilà, Glamrock Chica, c'est extrêmement stylé. Alors, le site du Darknet sur lequel j'ai commandé, je ne connais pas. C'est pas le même site que la dernière fois. Qu'en espérant, voilà, que ça se passe très bien. Pense si tu peux éviter de me voler tous les consommables, toi. Allez, redonne-les-moi tous, s'il te plaît. Allez, tu me les redonnes tous. Voilà, j'espère que ça va bien se passer aujourd'hui. C'est bon, il m'a tout redonné. Du coup, let's go. Ce qu'on va faire dans un premier temps, avant que je consomme l'un des premiers consommables. Alors, par lequel je vais commencer? J'ai bien envie de terminer par Glamrock Chica et de commencer par Spider-Man. En vrai, Spider-Man, ça peut être triste. Ouais, quoi que. On peut commencer. Non, on va commencer par Kissimissi. On va commencer par Kissimissi. Juste avant, il va falloir qu'on prenne des précautions nécessaires. C'est-à-dire que souvenez-vous, voilà, la petite base qu'on a construite pour Spider-Man hier, on va l'améliorer un petit peu. Puisqu'en fait, voilà, comme je l'ai dit, je connais pas ce site là aujourd'hui sur lequel j'ai commandé. Du coup, ça se trouve, je vais consommer, eh bien, le consommable de Spider-Man. Et je vais être extrêmement méchant, je vais vouloir buter Raisin ainsi que Léo. Et dans ces cas-là, il faut qu'il puisse se protéger pour éviter Spider-Man. Donc, on a déjà un premier bunker ici, mais il faut en faire un contre Spider-Man, du coup, un peu plus en hauteur. Donc, voilà, par exemple, ce bunker-là, ça peut être extrêmement stylé. Faut juste qu'on l'améliore. Et pour l'améliorer, je vais faire appel à Monsieur YouTube. Où est-ce qu'il est, Monsieur YouTube? Il est pas loin d'ici. Ah, c'est bon, je le vois. Allez là. C'est bon, je le vois. Monsieur YouTube, comment ça va? Ok. Yo, c'est moi, Mister YouTube. Tu t'abonnes et je m'abonne à ta chaîne, lol. Quoi? En vrai, je le ferai pas, j'ai trop la flemme. T'as capté, bébé? What? Ok. Ouais, j'ai devenu un robot. Monsieur YouTube, c'est devenu un robot. Bon, bonjour, Monsieur YouTube. Et voilà, vous êtes capté. Ça va. Ça fait un moment, non? Ouais, ça fait un petit moment, Monsieur YouTube. Je suis content de te revoir sur la chaîne. Du coup, là, avant que je mange le consommable interdit de Spider-Man, que je me transforme en Spider-Man, on a besoin d'améliorer un petit peu la base de Spider-Man qu'on a faite là-haut. Bon, en vrai, elle est déjà un petit peu stylée, tu vois. Mais j'ai besoin de tes petits talents, etc. Pour la rendre un peu plus stylée, tu vois. T'as capté un petit peu? Ouais, vas-y, je vois. Tu penses qu'on peut faire quoi pour la rendre un peu plus sécurisée? Déjà, je vais mettre des toiles d'araignée parce que Spider-Man, il a besoin de ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais faut... c'est pour empêcher Spider-Man un peu d'attaquer. Donc, faudrait peut-être d'autres choses, tu vois. Peut-être de l'eau, justement, pour pas qu'il puisse mettre ses toiles d'araignée. On va mettre de la lave. Ah, bien vu, bien vu. Mieux avec de la lave. Vas-y. Bon, du coup, les abonnés, on s'occupe de transformer la base. Et une fois que la base est transformée, on se retrouve directement pour que je mange le consommable interdit de Spider-Man et qu'on commence, et bien, simplement, voilà, les transformations. Du coup, à tout de suite, une fois que la base est améliorée. Les abonnés, on se reprend et la base ultra sécurisée en l'air est bientôt terminée. Elle est incroyable. Ouais, franchement, elle est grave stylée. Regardez, il y a de plus en plus de bases ultra sécurisées. On a une première base ultra sécurisée juste ici et une seconde juste là. Et franchement, on va en avoir je sais pas combien. À la fin de la saison 5, on va en avoir genre une dizaine. Eh, franchement, c'est parce que tu vois, elle est stylée parce que je suis dessus. Tu vois, si je suis plus dessus, elle est moche. Non, franchement, elle est vraiment très cool. Alors, du coup, on a une première à gauche, une deuxième à droite. Et moi, ce que je vais vous demander en commentaire, c'est laquelle que vous trouvez la plus stylée. Est-ce que c'est celle de gauche ou alors est-ce que c'est celle de droite? Vous me dites en commentaire et j'irai regarder vos commentaires. Bon, let's go. Du coup, maintenant vous êtes protégés, vous avez des bases pour vous protéger. Et bien, je vais manger le premier consommable qui est celui de Spider-Man. Du coup, je m'éloigne un petit peu. Voilà, je vais mettre ici.
et let's go, je vais manger ce consommable de Spider-Man pour me transformer en Spider-Man dans Minecraft. Let's go, c'est parti, on mange le consommable de Spider-Man. Ok, pour l'instant, je ne ressens pas trop d'effet. Je sais pas combien de temps ça prend pour la transformation, vu que c'est un nouveau site sur lequel j'ai commandé. Oh, je commence à sentir dans mon corps. Ok, ok les abonnés. Ok, je vais pas tarder à me transformer à mon avis. C'est bon les abonnés, je crois que je suis devenu Spider-Man. Let's go, let's go. Je suis Spider-Man, ok. Vraiment très stylé, ok. Je suis Spider-Man, let's go. Oh c'est stylé. Wow, les abonnés, je suis Spider-Man. Oh mais c'est incroyable. C'est incroyable, ah ouais. Ah ouais. Oh c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Regardez, 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 hop, let's go. Hey, c'est incroyable, c'est incroyable, je suis Spider-Man. C'est vraiment beaucoup trop stylé. Je trouve ça incroyable, je trouve ça incroyable. Bon franchement, je vous avoue les abonnés que ce qui me plairait le plus, je pense qu'il va être le plus stylé dans cette vidéo, ça va être Glamour Chica. Glamour Chica, mais qu'est-ce que je raconte? Glam Rock Chica, qu'est-ce que je raconte les gars? Qui est tout simplement un personnage tiré du dernier Five Nights at Freddy's. Je pense vraiment ce qui va être le plus stylé dans cette vidéo. En tout cas déjà être Spider-Man, c'est vraiment très stylé. J'aimerais bien me combattre face à quelqu'un là, tu vois, histoire de voir un petit peu ce que ça donne. Vas-y, j'arrive. Vas-y, viens. Je t'attends. Moi, de toute façon, je peux aller extrêmement haut, tu vois. Je peux aller sur les balcons et tout. Voilà, je suis Spider-Man, c'est assez stylé. Je peux rapidement arriver en haut d'une tour, tu vois. Moi, je suis un homme. Let's go, bam, voilà, regarde. Je vais arriver en haut très très vite. Voilà, let's go. Hop, et là, on va arriver tout en haut. Bam, voilà. Let's go, je suis là, regarde. C'est bon, j'ai rejoint Reason ainsi que Monsieur YouTube. Monsieur YouTube, il a le bouclier de Captain America. Mais what? What? Deux boucliers de Captain America. Je ressaute. Je me casse. Let's go. Eh, franchement, c'est stylé. Mais voilà, ça reste quand même assez simple. Faut juste que je vois si je peux me battre face à quelqu'un. Attends, je descends. Vas-y, viens, tu vas me dire combien tu prends de dégâts face à un petit coup de poing de Spider-Man là. J'ai envie de voir un petit coup de poing de Spider-Man. En plus, je crois que je peux faire des trucs assez stylés. Attendez, on va tester. Je peux tirer des toiles d'araignée. On va essayer ça dans un instant, les abonnés. Les abonnés, je vais essayer de vous montrer d'autres pouvoirs de Spider-Man. Peut-être que je peux tirer des toiles, on va voir. Ok, ouais, je peux tirer des toiles. Faut juste bien que je vise en vrai. Là, j'ai un petit peu mal visé, tu vois. Regardez, c'est bon. Je viens de le mettre dans des toiles. C'est énorme. Attends, il faut que j'arrive à trouver. Il faut que j'arrive à trouver quelqu'un. Attends, pour le mettre dans des toiles. Où est-ce qu'ils sont? Ah, là, il y en a un. Hop. Je l'ai mis dans les toiles d'araignée. Alors, je pense que je peux faire un petit peu mieux. Là, j'ai fait un petit peu le truc basique, tu vois. Hop, let's go. Dans des toiles d'araignée, let's go. Attends, je vais essayer de faire des trucs beaucoup plus vénères. Là, je sens que c'est mieux. Ah ouais, là, c'est mieux. Regardez, là c'est beaucoup mieux. Regardez comme c'est stylé. Bam, allez. Alors moi je me pense moi aussi dedans, c'est pas logique ça. Bon, c'est pas trop grave, let's go. Et franchement c'est stylé, regardez, attends, j'ai de tension. Bam. Elle est coincée, let's go. Moi je me casse. Let's go, je me casse. Bah alors, comment ça va? Allez, bah. Franchement, c'est plutôt stylé, Spider-Man. Franchement, je kiffe. Spider-Man, c'est plutôt stylé. Il était où? Voilà. Viens m'affronter. Profitons une dernière fois, voilà, de ce magnifique Spider-Man. Franchement, j'ai kiffé Spider-Man. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se transformer en son alter ego un petit peu. Enfin, non, en vrai, c'est pas vraiment ça. En Venom. Voilà, Venom, qui est tout simplement un monstre assez stylé aussi. Donc, let's go consommer le consommable de Venom. Let's go. Je vais aller me mettre juste là et on va manger le consommable de Venom. Let's go. Attendez, on attend un petit peu. Voilà, c'est bon. On consomme le consommable de Venom. Les abonnés, j'attends la transformation de Venom. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu dommage parce que regardez, je suis toujours Spider-Man. Et je crois que voilà, j'ai loupé des choses. Puisqu'en fait, là, regardez, je peux monter au mur. C'est vraiment stylé. Voilà, regardez, attendez, je vais vous montrer. Je crois que j'ai loupé ça. Je me dépêche de vous montrer avant que je sois transformé en Venom. Mais du coup, regardez, déjà, je vais extrêmement vite. Et je peux monter au mur surtout. C'est ça qui est stylé. Alors, attention, je fais attention. Voilà, on va monter au mur juste ici. Regardez. En fait, je peux monter au mur. C'est vraiment stylé. Attends, genre, je vais essayer de monter. Genre, attends, il faudrait trouver un truc assez haut. Parce que là, je monte vraiment très vite à chaque fois. Bon, en vrai, ça c'est haut, mais ça va monter très vite aussi. Hein. Let's go, je vais vous montrer vite fait. Hop, let's go, juste ici. Voilà. Je monte au mur, franchement, c'est très cheaté. Donc voilà, c'est même pas le saut. Hein. C'est vraiment, je monte au mur en fait. C'est vraiment stylé. C'est vraiment très stylé. Regardez, je vais vous remontrer ici. Regardez, bam, voilà. Et là, regardez, je peux monter au mur, voilà. C'est extrêmement cheaté. C'est vraiment cheaté, hein. Je peux monter au mur tranquillement. C'est vraiment, vraiment cheaté. On va aller regarder, par exemple, un autre mur là-bas. Regardez, hop, on se dépêche d'y aller. Let's go. Regardez ici, je peux monter. C'est extrêmement stylé. Bref, je sens que je vais pas tarder à me transformer en Venom. Wow, les abonnés.
Je crois que je suis transformé en Venom. Wow. Ok, extrêmement stylé. Regardez ma main de Venom là. Ok, vraiment stylé. Wow. Je suis Venom. Let's go. Ah ouais, là je suis vraiment très effrayant en Venom. Ok, j'ai hâte de voir leur réaction quand ils vont me voir en Venom. Let's go. Alors, où est-ce que vous êtes? Je suis Venom, let's go. Regarde, Razor. What? Mais c'est quoi ça? Je suis Venom. Est-ce que je te fais mal? Aïe. Ok, j'ai one shot Razor. Razor, reviens, s'il te plaît. What? Razor, hey, mettez-vous dans la tour, sinon je vais tous vous buter. Oh, je l'ai mis tellement cher, les abonnés. Wow. Alors, Venom, il est vraiment très puissant. Je l'ai one shot, mais attends, mais j'étais one shot. Genre, t'avais toute ta vie? Ah ouais, j'avais toute ma vie là. Hein. What? Où est-ce que t'es, monsieur YouTube? Où est-ce que t'es, Léo là? Moi, je suis pas là. Ok, moi, Léo. J'ai pris mes vacances. Léo. I am Venom. Je suis trop cheaté. Ok, Venom est vraiment très stylé, les abonnés. Ok. Bah, Venom, va falloir faire très attention. Hein. Franchement, alors, déjà, extrêmement rapide. Voilà, ça saute quand même assez haut. Voilà, on peut le voir que ça saute assez haut. Alors, attention de pas tomber dans les toiles d'araignée. Ok. Salut toi. Dans la tour, t'es mort. Oh, mais what? Mais à chaque fois, je te one shot. Même Léo, il est plus résistant que toi. What? C'est quoi ce délire? Bon, énorme. Fais attention à toi. Hey, regardez. Je peux aussi monter au mur. Attendez, je vais vous montrer. Par exemple, on va monter. Je trouve un endroit. Là, on peut monter au mur assez facilement. Regardez. On peut monter au mur aussi, pareil. Oh, c'est cheaté. Venom, regardez, il monte au mur en fait comme il veut. Oh là là, c'est si cheaté. Oh là là. Beaucoup trop cheaté. Je kiffe. Attends, on va essayer de sauter sur toi. Bah, je suis pas une araignée justement. Je suis plutôt Venom. Non, donc Venom, voilà, bof l'araignée quoi. Hop, let's go. Venom qui veut dire venin. Voilà, donc let's go. Hop, je suis un symbiote. C'est bon, je suis au bon endroit. Regardez comment je monte rapidement. Regardez. Oh là là, c'est tellement stylé. Oh, je trouve ça tellement stylé. Monsieur YouTube, t'es passé où? Je veux te voir. Je vais te mettre une patate là de moi, Venom. Je suis là. Où est-ce que t'es? Je vais tomber dessus. Hello, I'm Venom. Je suis Venom. Bon, les abonnés, sans plus tarder, on va manger simplement le consommable de Huggy Wuggy. Et ensuite Kissimissi et on terminera par Glamrock Chica. Let's go Huggy Wuggy, dans un instant on va le manger. Je mange le consommable de Huggy Wuggy pour Playtime. Ok, c'est bon, c'est mangé. On va attendre de voir ce que ça fait. Pour l'instant, pas grand chose. Ils sont un peu plus longs que d'habitude, hein. Les transformations sont un peu plus longues que d'habitude. Okay, on attend légèrement. Comme il attend pas le temps. Toujours pas. Qu'est-ce qu'il raconte Léo? Ah oui, tu veux essayer de me buter? Attends, tu vas voir si c'est moi qui vais te buter. Regarde, je suis encore Venom. Ah j'essaie de buter. Allez, let's go. Ok, oh bah je vais te buter Razor. J'ai pas m'extrait. Ok les abonnés, je sens que je vais me transformer. Attention. C'est bon les abonnés, je crois que je suis en Huggy Wuggy de Poupée Time. Alors bon, on l'a déjà fait plusieurs fois. Donc voilà, ça va être temporaire, on va le faire vraiment très peu de temps. Regardez. Voilà, je suis Huggy Wuggy de Poupée Playtime. Franchement voilà, très stylé hein. Je suis rapide, je suis assez stylé. Regardez ma belle petite tête. Bon voilà, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien je vais chasser du Léo, je vais chasser du Razor, je vais chasser du monsieur YouTube, regardez. Voilà, je suis plutôt stylé en vrai hein. Je suis vraiment stylé, je trouve. Oh non, je suis tombé dans mes toiles d'araignée de tout à l'heure de Spider-Man. Mais non, mais je vais mourir en fait. Ah, il faut que j'arrive à sortir d'ici. Attendez, il faut que j'arrive à sortir d'ici. Ok. Attends, comment je vais faire? Mais non, c'est pas possible. Je vais mourir. Mais non. Attends, mais. Ah c'est bon, j'ai réussi à sortir. Les abonnés, je suis à deux doigts de mourir. C'est vraiment hardcore. Je vais le manger, attends, voilà, il faut que j'arrive à survivre. Tuez-le. J'ai mangé celui de Kissimissi. Ok, let's go. Ok les abonnés, je crois que ça a été instantané là, la transformation. Je crois que je suis déjà en Kissimissi, en plus j'ai récupéré tous mes cœurs. Ça c'est nice. Ok, j'ai quasiment la même vie que Givigi. Les transformations sont légèrement différentes des épisodes qu'on a déjà fait hein. Dites-moi en commentaire les abonnés, mais je crois que oui hein. What? Mais ok. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Léo? Qu'est-ce que tu as encore à m'interrompre une nouvelle fois dans cette vidéo? J'espère que c'est pour quelque chose d'important. Alors, si je t'aide à les tuer et que tu me tues pas, et ben... Allez, ça dégage, où est-ce que t'es? Bon attendez, à quoi je ressemble les abonnés? Est-ce que vous êtes prêts? Regardons un petit peu à quoi je ressemble. Ok, let's go, regardez, je suis Kissimissi. Yes, aïe, incroyable. Voilà, eh, franchement, limite Kissimissi est plus effrayante que Huggy Wuggy. No fake, hein, je vous le dis comme ça, mais vraiment... Allez, je te mets des dégâts, toi. Allez, let's go. Tu vois pas qui je suis, Diabolo? Ah! Mais c'est Thor avec son marteau. Si c'est comme ça, je m'éloigne parce que franchement, Thor, je sens qu'il va me démonter. Eh, mais qui s'est mis elle est giga. Ah! Mais Thor, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah! Qu'est-ce que tu disais, Razor? Elle est giga fraîche qui s'est mis ici, en fait. What the fuck? Non. Eh, ça... Bon.
chance. En vrai, bon, il y a peut-être cette dentition à refaire, mais sinon ça va, oui, effectivement. Non, en vrai, bizarre. Elle est poilue, hein, par contre. C'est vrai qu'elle est un peu poilue. Bon, je vais le transformer en Glamrock Chica. Let's go. Glamrock Chica, c'est parti. Ok. Est-ce que vous êtes prêts, les abonnés? Ça va être, à mon avis, le truc le plus stylé et le plus effrayant de cette vidéo. M'éloigner un petit peu, voilà, pour manger le consommable. Let's go. Le consommable est mangé. Donc là, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais me planquer ici. Ok, les abonnés, on attend. Oh, je sens que ça arrive aussi vite que la dernière fois. Wow. Les abonnés, je crois que je me suis transformé. Mais j'ai pas du tout l'impression d'être Chica. J'ai plus... Je suis Chica là ou pas? Non, t'es Funtime Freddy. Oh là, il y a eu un problème sur la marchandise là. What? Je suis Funtime Freddy. Mais what? Alors, je suis Fun... Wow, ok. Alors, je suis Funtime Freddy. Je suis pas du tout Chica. Genre, ok. Diablo. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Je veux me marier avec toi. Regarde. What? Mais. Wow. Tu vois, Diabolo? Je suis extrêmement effrayant. Attendez, est-ce que je fais mal? What? Mais c'est quoi c'est ça? Diabolo? Coucou le meilleur Diabolo. Est-ce que tu me vois? Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Regarde, t'es prêt? Wow, c'est trop stylé comme. Wow, c'est tellement stylé. Attendez, est-ce que je fais des dégâts? What? Je mets trop de dégâts. Attendez, mais je dois faire extrêmement mal. What? Par contre, je suis un peu. Ah ouais, alors vraiment, la potion a complètement bugué, hein. Je crois qu'on commandera plus sur ce site là. Regardez, mais what? J'ai bien fait de garder, c'est mon totem hein. Et what? Alors vraiment, ah ouais, c'est complètement bugué. Ok, bon les abonnés, je suis désolé, j'ai commandé sur un site du Dark Tech. Je pensais que ce serait vraiment parfait, c'était un nouveau site. Mais bon, on l'utilisera pas, on commandera sur l'ancien. Puisque voilà, regardez, il y a des petits problèmes hein. Bon, en vrai il est stylé, mais attendez, laissez-moi marcher pour voir. C'est un bruit effrayant. Mais bon, il est un peu de métal. Il est un peu, ouais, il y a du métal. Wow, la vitesse à laquelle je vais. Mais je suis complètement bugué en Funtime Freddy hein. Mais ouais, je pense qu'en fait, Diabolo, ouais. il y a un problème dans la marchandise hein. Ouais, là il y a un problème dans la marchandise, dans la potion. Ah, c'est dommage. plus grand que l'autre. Ouais, regarde, non mais surtout que là en plus tout à l'heure c'était le problème, ça marchait hein, et là c'est complètement full bugué. Mais what? OK les abonnés. Bon, j'ai un peu le seum. Ah, Funtime Freddy est revenu à la normale. Franchement, extrêmement effrayant, très effrayant. On peut le voir là, c'est vraiment effrayant. Mais j'ai un peu le seum quand même que c'est un peu bugué comme ça. On va aller là-bas. Bon, en tout cas, je suis extrêmement puissant parce que j'ai one shot monsieur YouTube qui devait être une belle armure. En même temps, c'est parce que j'ai enlevé mon armure, Diabolo. C'est pire au moment si les gens repassent. Je te mets combien de dégâts avec l'armure? Bah là, un demi-cœur. Mais regarde, si je l'enlève. Et pourtant, j'ai même pas d'arme. Attends. Et regarde. Wow! Wow, c'est stylé. Wow! Je comprends rien à cette vidéo. Allez, stop, essaye d'éviter. Bon, en tout cas, les abonnés. Ok, ça va. Bon, je le stam parce qu'on aurait pu se transformer du coup en Glamrock Chica. Ce sera sans doute pour le prochain épisode. S'il y a 10 000 pouces bleus sur cet épisode, j'essaie vraiment de me transformer en Glamrock Chica pour le prochain épisode. Là, bon, c'était quand même assez stylé de se retrouver en Funtime Freddy, même si c'est pas le monstre qu'on cherchait à être. Du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette vidéo. Il y avait Screamex, il y avait Deka, il y avait Reason et il y avait Soka, toute l'enchaîne sans description. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, plutôt, je vous aime et à très vite.